Nous partons aujourd'hui à la découverte de l'abbatiale Saint-Géraud d'Aurillac, et plus particulièrement de son grand orgue. Remarquable instrument du XVIIIe siècle, ses multiples sonorités rythment les offices de l'abbatiale depuis plus de 200 ans. Laissons-le nous conter son histoire. François Blanc, organiste passionné, est notre guide. Grâce à lui, nous allons découvrir l'histoire et le fonctionnement de cet instrument si particulier. Cet orgue a été construit en 1779, mais il ne se situait pas au fond de cette nef. C'est au milieu du 19e siècle que l'orgue a été déménagé. Un grand orgue au 18e siècle, généralement, est composé de deux parties. Tout au fond, un grand orgue et par devant, un orgue plus petit qu'on appelle positif. Parce qu'au Moyen-Âge, on a fabriqué des orgues portatifs qu'on prenait en bandoulière. Mais quand on a voulu faire des orgues plus importants, on les a posés, d'où le nom de positif. Quand on voit l'orgue ici, on se demande où est passé l'organiste, comment il joue. En fait, il est entre les deux orgues. Afin de percer les secrets de cet orgue majestueux, il nous faut prendre de la hauteur et gravir les nombreuses marches menant à la tribune. Nous arrivons dans une grande salle renfermant un curieux mécanisme. L'orgue est un instrument à vent, donc il a besoin d'air. Et à une époque, au 18e, on payait un souffleur et il pompait. Actuellement, on a quelque chose de plus facile. On a un moteur ici avec un ventilateur, un moteur électrique. Les réservoirs se remplissent sans avoir besoin de pomper. Dans cette pièce, à l'abri des regards, nous apercevons deux grandes statues en bois. Comme nous l'explique François, ces statues étaient placées au sommet de l'orgue. Pascal Moulier, archiviste du diocèse, nous apporte des précisions sur leur origine et celle de leur sculpteur. Ces deux statues ne sont pas signées comme la plupart des statues, les sculpteurs ne signaient pas leur travail. On est tenté de faire un rapprochement avec un groupe de statues dans la région d'Aurillac et particulièrement autour de Vic-sur-Serre. On sait par ailleurs qu'un sculpteur appelé Guillaume Desprats vivait à Vic-sur-Serre à cette époque-là. Pour le moment, on n'a pas de documents qui permettraient de faire un lien formel, mais on a quand même actuellement de très fortes présomptions parce que c'est une facture qui est très proche. Et par ailleurs, les archives nous ont livré également des informations sur le fait que Guillaume Desprats avait dans sa famille des personnes extrêmement liées au milieu des musiciens de l'abbatiale d'Aurillac. Nous entrons maintenant au cœur de l'instrument et découvrons ce qu'il renferme. Il y a en tout 2444 tuyaux. Plus le tuyau est petit, plus le son qu'il émet est aigu. Alors un tuyau à hanche, ça a une forme souvent conique. Ce qui produit le son, c'est la petite languette qui va se mettre à vibrer avec l'air et le son va se propager à l'intérieur du tuyau qu'on appelle un résonateur. Alors, ça c'est l'autre type de tuyaux qui sont beaucoup plus nombreux dans l'orgue. C'est ce qu'on appelle des tuyaux à bouche qui fonctionnent comme des sifflets. Quand on construit un tuyau, pour le régler, on fait des réglages à ce niveau-là et puis on fait un réglage avec l'ouverture du pied et on l'essaye. Alors on n'essaye pas trop parce que c'est quand même un mélange d'étain et de plomb. Dans chaque famille, il y a toutes les notes qui sont au clavier et chaque famille a son timbre. Faire sonner un orgue, c'est choisir les familles et puis après appuyer sur des touches pour avoir les notes de chaque famille. Nous nous approchons enfin de la console. C'est là que l'organiste fait vivre son instrument. Donc c'est ici que l'organiste vient s'installer. Il va découvrir la console avec trois claviers et un pédalier. Et il va jouer avec tout ça. Il a de chaque côté des claviers l'étirant de registre pour choisir les familles et donc les timbres qu'il veut faire parler. Il est temps de découvrir le timbre de cet orgue.
témoin d'histoire, l'orgue de Saint-Géraud n'a pas fini de nous dévoiler tous ses secrets. La grandeur et la beauté de son timbre font l'admiration et la fierté des Aurillacois depuis des générations. Souhaitons qu'il fasse retentir, pendant encore de longs siècles à venir, des mélodies éternelles.